Salut YouTube, encore une VOD du coup sur Spyro 3, je sais pas où on en est. 64% du jeu, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bon, on vient d'arriver aux montagnes de minuit. Je rappelle que je ne me souviens absolument pas, mais absolument pas de cet endroit, mais vraiment. Ça va me revenir au fur et à mesure, je pense, mais... Bah tiens. Ça va me revenir au fur et à mesure, mais là, pour le coup... Faut croire que quand j'étais petit, j'allais pas souvent jusqu'à la fin du jeu, quoi. Ah, j'ai pas vu son nom. J'ai pas regardé son nom, quel con. Il va falloir qu'on retourne au monde d'avant pour, bah, du coup, faire ce qu'on n'a pas pu faire avec Chasseur, maintenant qu'il est libéré. Mais d'abord, je veux découvrir un monde d'ici, parce que je me souviens pas, en fait. C'est quoi, ça? On est où? Île de cristal, mais ça... Après, j'ai peur, parce que le fait de pas me souvenir, ça peut soit vouloir dire que c'était horrible, soit vouloir dire que, bah, que je venais pas souvent ici. Tombeau hanté. Ruine du désert. Je découvre un nouveau Spyro ou... Suffisamment d'œufs de dragon pour que j'ouvre le portail. Ah bah j'avais dit que j'en avais 100. Parfait, tu pourras affronter la sorcière dès que tu seras prêt. Mais attention, elle t'attend. Ok, donc si on veut, on peut finir le jeu. Eh oui, voilà, on peut finir le jeu si on veut repère de la sorcière. Bah on va pas le faire. On va d'abord finir à 100% la zone. Et après on fera le boss et on pourra se féliciter d'avoir 100% les deux Spyro. J'ai pas fait le premier Spyro en live parce que le premier je trouve un peu chiant. Oh dis donc. Oh putain, c'est quoi ça aussi là? J'ai pas vu ton nom. J'étais en train de regarder le serpent Gogol là-bas. Tombeau hanté. Ah bah c'est le tombeau hanté. Bah, vu qu'on vient de tomber sur le tombeau hanté, on va aller faire le tombeau hanté, donc on y est. Hein. Vas-y. Ça va peut-être me rappeler des trucs. Tombeau hanté, tombeau hanté. Ils font deux types de caca, les lapins, c'est très différent. Je me souviens pas. Enfin, je me souviens que ça existe. Mais alors, même les PNJ d'ici... Et un nouvel aventurier téméraire est venu piller nos catacombes sans scrupule. Espérons qu'il est plus solide que le dernier qui est passé. Si tu peux survivre aux épreuves et répondre à mon énigme, tu auras droit à une récompense digne de tes efforts. Il faut que j'aille voir absolument à quoi il ressemblait dans le 1, parce que... Dans le 1, sur PS1. Spyro 3. Tombeau hanté. Excusez-moi, hein. Mais putain, je tombe sur des trucs du remaster, je m'en branle. Et putain, je trouve pas. Ça existait pas, peut-être. Si ça existait, parce que je me souviens du mood de l'endroit, mais. Je crois que j'ai trouvé. Attendez. Attendez. C'est sur Dailymotion. Hein. Vous vous souvenez ou pas? Oh, ils étaient trop mignons, les chiens! Ah oui. Est-ce que je peux zoomer? Ouh là là, vous allez peut-être avoir du mal à le voir, mais... En gros, voilà comment il était le chien dans Spyro. Ah. Sur PS1, ils étaient comme ça, ils étaient trop choux. Ah maintenant ils font peut-être un peu trop Mais ça c'était Spyro. Lui il était moche lui. Il est trop bien refait Spyro, je suis content. Mais ouais voilà à quoi ressemblaient les chiens ici. D'accord, je m'en souviens, pas du tout. C'est bien, ça va me faire une petite redécouverte on va dire. Qui m'envoie des messages là? Chien. Ah c'est là.
C'est Elon Musk. Bon, plus solide de googler. Voici mon énigme. Je suis un vaisseau sans porte, fermeture ou couvercle. Pourtant, en mon sein se cache un trésor doré. Que suis-je ? Un suppositoire. Peut-être un coffre, du coup ? Terrifiant, ces connards. Ok, bon. Mais il y a moyen de les péter, ces trucs ? Peut-être. Dinguerie. Des mécanismes et tout. C'est quoi ces merdes ? Ah oui. On dirait des knarens qui sont allés à la salle. Oh, il faut avoir la ref. Vous aurez la ref quand on fera Rayman 3. Ah, ça sert peut-être à péter les sarcophages ? Je suis un connard. Bon, c'est pas grave. Oh, ça a l'air grand. Je pourrais peut-être déjà m'en servir pour buter ce mec-là. Oh ! Ah, mais vous êtes en pierre. Ah, mais je comprends mieux, en fait, le coup des boules. Eh bah oui, je comprends mieux le coup des boules. Ok. Waouh, vous êtes beau, vous. J'ai pas ce Pokémon, là. Merde, je suis trop con. Eh, je devrais peut-être utiliser plus souvent le truc pour rouler, attention. Eh bah, baisse ta mère. Très joli, eux. Bon, j'ai pas besoin de les tuer, ils repop en boucle, hein. C'est... Ça, je pense que c'est clair pour tout le monde, hein. Oh, il y a un mécanisme là. À quoi qui sert? Oh, ok. Merci pour ta boule, mec. Ok, pas mal. Que des bangers. J'aimerais bien savoir comment les péter, ces trucs là, mais je pense que c'est pas possible. Même avec la carte qui, oui. Chier. Dégueulasse, ces trucs là aussi. On dirait les scarabées mangeurs d'hommes dans la momie. Allô ? Allô ? Mais quel connard de cul ! Je voulais revenir au début plus vite. Je pense que la réponse à son énigme, c'est un œuf. Le trésor doré, c'est le jaune d'œuf, non ? Ça aurait un lien avec l'œuf de dragon, du coup. Il faut que je sache si avec ces boules-là, on peut détruire les... Oh ! Mais tout s'explique ! Connard, va. Oh, vas-y, fournis-moi en boule. Merde. Bande de connards de chiens. Ok, je commence à choper le coup de main. J'ai plus de sparks par contre, hein. Là c'est la merde. Ok. Dégueulasse, hein. Ok, j'ai compris. Donc il faut que je récupère des boules. Mais c'est pas possible d'être con comme ça. Mais je suis trop con. Oh, c'est fou. Je me prends un coup, je meurs. Hein.
Manger des pommes. Manger des pommes. Qu'est-ce que je fous ici, moi? Mais oui. L'école est finie. Ok. Envoie-moi une boulette, s'il te plaît. Démercer la zone. Et oui, il faut que je les pète en plus si je veux 100%. Bien. Bien, bien, bien. Est-ce que eux, je peux les péter en tapant dedans? Ou est-ce que je suis obligé de leur cracher leur propre boule? Je suis obligé de leur cracher leur propre boule de ces mots. Ok. Moi j'ai... Merde, je peux taper là-dedans? On dirait un bouton. Ah non. Bon, au moins j'ai compris que pour péter les sarcophages bizarres, là, il me faut les boules. Ah oui, putain. Il y a un bouton, là. Bring boring. Bring boring. Oh là là, c'est la merde, ici. Oh là. Oh. Oh, je vais pas apprécier. Oh, je apprécie pas. Il con, hein. Il con, il con. Je pense qu'il y a un moyen pour enlever l'éboulement. C'est pas possible, mais je peux pas traverser, genre. Genre. Ah si, mais je suis pas dedans. C'est quoi cette hitbox d'enculé? Ok, ça va le faire. La hitbox est bourrée. Parce que j'ai compris hein, qu'il fallait faire gaffe aux ombres, mais... Là, par exemple, il n'y a pas d'ombre. Oh, peut-être que j'étais un peu pressé. Oui, peut-être, oui. Enculé. Ok. Bien joué. Oh, un ki. Envoie-moi une boule. Merci, t'es un bro. Ouais. Mmh. Ça passe, hein, et on n'est pas mauvais, hein, finalement. Ok. Christine! Je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça, mais Christine. Christine. 105 œufs, hein, c'est fou quand même. On est bon. On est con. Sur quoi j'ai pas appuyé qu'il fallait pas? Bébé. Il est où le bouton? Je suis bête ou... Il est là. Petite futée. Petite futée! Je vais mourir, hein? Oh là là, oh là là. Ah, peut-être que je me souvenais pas de ces niveaux parce que mon cerveau a préféré oublier, en fait. Hein, c'est souvent comme ça quand on a un trauma. Le cerveau occulte ce qui s'est passé. Pour nous protéger, putain! Ok. La porte. Et il me faut que je me soigne! Vite! Je vais mourir. Ok, non, là-bas. Bien joué à tous. Vous avez été meilleurs que le jeu.
Je me demande s'il faut pas que je prenne sa boule là. Et que j'aille derrière. Non, il n'y a pas de sarcophage, tout va. Y en a un là, est-ce qu'il faut pas que je le. Fiche le camp, dragon, il n'y a pas d'agent neuf. Arrête de nous embêter avec les théories du complot et repars d'où tu viens. Je m'en fous de ça. Je veux cracher sur lui. Détruire tous les sarcophages. Bah voilà. Excellent. Excellent. Excellent, excellent. Bon, apparemment tu as survécu aux épreuves des catacombes. L'heure est venue de voir si tu es aussi rusé qu'agile. Te souviens-tu de l'énigme ? Oui, mais je pense que la réponse c'est un œuf, père Foura. Fouras, père Fougas. Il y a combien d'œufs ? Je sais pas combien il y en a en tout. Je suis un vaisseau sans porte, fermeture ou couvercle. Pourtant, en mon sein se cache un trésor doré. Un œuf. Que suis-je ? Un œuf. Un bandicoot. Très beau clin d'œil. Très beau clin d'œil. Tu la connaissais déjà ? Je ne pensais pas que tu trouverais. Très bien, un marché est un marché. Tu peux avoir cet œuf de dragon que je gardais pour la sorcière. Collabo. Will. J'ai attendu 7000 ans que quelqu'un résolve cette énigme. Je peux enfin partir à la côte des coquillages pour me reposer. Il y a vraiment que des cons en fait dans ce pays. 7000 ans. Il fallait que je récupère le truc là. Mais avant, il faut que je tue lui parce que je l'ai pas buté encore. Envoie la boule. Merci. Je l'ai raté, hein. Bravo. Allez, Nuf, finis donc ce niveau. Ouais, ouais, on va le finir, ouais. Là, ils sont de plus en plus longs, hein. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? La première manche de compétition annuelle d'aéroglisseurs de démolition va commencer. On peut accueillir encore un compétiteur, mais il faut répondre à une énigme avant. L'énigme est la suivante. Si un dragon pond un œuf tous les 12 ans, combien de temps mettront 100 dragons à pondre 100 œufs? Bah 12 ans. Très impressionnant. Mais t'es con. Mais ça me semblait trop simple en fait, mais. Pour la compétition d'aéroglisseur. T'as essayé de m'avoir un petit connard de chien. J'ai pas lu. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais en chier, sachez-le. Oh, oh les bâtards! Pardon. Ok. Ça va être intéressant ça aussi, hein? La première manche de compétition annuelle d'Alénique est la suivante. Non mais ta gueule, oh! B. Ah, on peut tirer en cloche! Ah, on peut esquiver, ok. Bah, peut-être qu'en lisant c'est mieux, on peut esquiver du coup. Ah oui, ok, d'accord. Alors, tirer en cloche, c'est comment? Ok, donc si je fais... Oh, le chien. Ok, j'ai compris. Oh, j'ai compris, ok. Oh là là. Et c'est vraiment des... C'est vraiment des vicieux. Oh merde. Ok, j'ai eu les 4. Eh bien, c'était vraiment un combat féroce. Mais ouais, ma gueule. Pour avoir gagné la première manche. MJ. C'est Spooderman qui va être content. Participer au championnat. Mais attention. Oh là là. C'est un sport très dangereux.
Eh bien, tu es un reptile très courageux. Mais il te faudra bien plus que du courage pour remporter le championnat. T'inquiète même pas. Ma grosse gueule. Je vais essayer d'esquiver au max. Oh ! Non mais ça va, oui ! Attendez que ça démarre peut-être. Ok, j'ai touché où ? Ok. En fait, faut toujours être en mouvement. Si t'y es pas toujours en mouvement, t'y es dans la merde. Oh, il est chiant lui. Ah bah c'est bon, il est plus chiant. Ok. Bah lui là-bas je peux l'avoir, non? Alors lui vraiment. Oh, j'entends les chats miauler. C'est l'heure d'aller se coucher apparemment. Vas-y, sors. Mais bien joué. Ah, il en reste un putain. Ouais. Mais il est où? Ah, il est là-bas, coquin. Coquin. Oh merde, dommage. Je peux pas le clocher. Ah non, c'est... Y'a pas une assez grande portée. Ah, le bâtard. Il se déplace. Bien joué. Un combat titanesque. Tu es le premier dragon à gagner cette compétition depuis plus de 1000 ans. Voici en récompense le grand prix de cette année. Merci. TG. MJ TG. Parfait. On est à 108. Toboggan serpent. Toko. Ok. Ok. Alors, je suppose qu'il faut qu'on... Oh, bégégé. Je suppose qu'il faut qu'on monte. Pas que j'oublie d'aller récupérer mon dieu au début, là. Oh, putain, c'est ça, le toboggan serpent. D'accord, ok. Je vais me casser la gueule, je le sais. Je le sais. Ça va être horrible. Sachez-le, ça va être horrible. J'annonce. Je suis rentré. Comme un trou du cul. Oh, le toboggan, il va être horrible à faire. Hein. Ok, let's gong. Doucement. T'y es coincé, le sang! C'est pas possible. Tu vas pas me faire souquer. Mais casse-toi, Sparks! Quel jeu de con. Tu peux te servir des murs pour freiner. Merci du tips. C'est gentil. Spirou, il fait la vague. Super. Très content. Et blim. De toute façon, je crois qu'il va nous falloir le singe. Donc, on va aller chercher le singe. Il est où d'ailleurs? Il est quelque part dans ce monde-là. Singe? Oh. Ah mais non. Singe. Agent singe. Oh, un défi de Sparks de ses morts. Hein. Ta gueule.
Mine des dinosaures. Quoi? Comment ça? Singe? Et non. Circuit du port. Oh, circuit! Ah, c'est peut-être le dernier qu'on va devoir se taper en vrai. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? J'aimerais bien trouver singe un jour. Oh, il va falloir que je retourne dans l'ancien circuit aussi. Oh là là, oh là là. Il y en a des choses à faire dans ce jeu de mours. 22h. J'aurais peut-être arrêté un peu plus tôt. L'élite des parcours du monde entier est strictement réservée aux meilleurs pilotes du monde. J'ai pas tardé à arrêter, il faut que j'aille faire du montage. Singe au début. Non, non, mais c'est bon, je me débrouillerai pour le trouver. Quand même. Affronter les fous à pied bleu. Ouais, on va commencer par ça. Let's go! Ah, c'est ça, les fous à pied bleu. Ok. On a le coup de main maintenant, quand même. Ah, on a le coup de main maintenant, quand même! Oh, ça a tapé le mur, enculé. Wanky. Oh, 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 j'avais pas vu qu'il y en avait plusieurs là. Ouh, et ben, c'est bon à retenir ça. C'est bon à savoir, c'est bon à retenir, ta gueule. Dans le cul, dans le cul, dans le cul. Oh, Tamir. Tamir, Tamir, Tamir. Ok. Bon, ça. On économise, sinon il se prend le mur, le truc. Nyon, 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 et on crache. Super. On va chercher ça là-bas. Et peut-être qu'on rate le truc vert. Non, on l'a de justesse. On peut essayer d'aller prendre celui qui est là. Hop, on remonte direct. Ça passe, bien sûr. On aurait dû redescendre, mais on savait pas. On va se faire dépasser parce qu'on est con. Tiens, dans le cul. Hop. On va essayer de reprendre celui-là. Alors, là, c'est encore un circuit où il faut pas rater. Et où il faut absolument prendre tous les boosts. Ok, bien joué. Oh, je peux même pas faire du montage jusque tard. Parce que demain, je me lève. Demain, je me lève. Demain, je me lève. Si... Gagouge! C'était pas voulu ça. On ramasse ça. Et on part en piqué. Tamir. Ok, on recrache. On a fait de la merde, c'est bien. Oh, ils sont. Ils sont. Oh là là! La maniabilité de cul! Ils sont trop risqués à prendre les boosts sur ce. Ce circuit. Hop.
Allez, encore deux tries. Et après j'arrête. Il faut que je faut que j'aille faire du montage. Ok. Essayons de ne pas rater celui-là. Bien joué, hein. Putain! Dans son cul d'oiseau. Ok, pas mal. Ok, mal. C'était nul. Il est dur ce circuit de con. Ils vont tellement vite, ces chiens d'oiseaux. You! Oh, il est affreux celui-là. Oh là là, je vais en chier, je vais en chier au prochain stream. Attaquer le prochain stream sur ça? Je crois pas, non. Ok. Rate pas. Mais là, trou du cul, la maniabilité est dégueulasse. Ok. Quatrième, bien sûr. J'ai l'impression que ça sert à rien de ramasser celui-là. J'ai l'impression que c'est un piège à coups. J'ai juste perdu une place en faisant ça. Déjà, si je fais tout sans me péter la gueule, c'est déjà ça, quoi. Ouais, vous allez vraiment plus vite que moi, hein. Je vous déteste, hein. Mon seul espoir, c'est les boosts. Et tricher aussi. Ça, c'est vraiment le passage qui peut te faire gagner des places, mais... Waouh! Vraiment pas se rater, quoi. Ouais, c'est ici que tu gagnes des places. Après, le problème, c'est que je suis que troisième. Ah, j'aurais dû prendre celui d'en dessous. Peut-être en apprenant un peu plus l'emplacement des boosts, genre celui que j'ai raté, là. Peut-être. Peut-être. Autant le dernier circuit était cool parce que t'avais pas besoin de... Ah, troisième, bon. Troisième, bon. Ça devrait le faire. Si j'apprends bien, ça passe. Si j'apprends bien. On économise la roquette. Roquette. Oh, la maniabilité de cul. Ok. Last try. Et après je vous dis bonne nuit. J'ai raté là? J'ai raté. Après en soi, si j'arrive à prendre les trois trucs, j'arrive dans son cul, donc j'aurai juste à cracher des flammes dans son cul. Comme ça. Plus important sur ce circuit, c'est vraiment les boosts, en fait. C'est vraiment les boots. Cool, j'avais jamais réussi à le prendre celui-là. En fait, ils vont plus vite que moi, mais les boosts me donnent, putain de ta mère, plus de vitesse. J'imagine pas sur PS1 comment ça devait être horrible, hein, celui-là. You. Attendez, je ramasse une roquette pour tricher. Voilà. Mm-mm-mm-mm.
quatrième. Ouais, ça pue un peu la bite. Cela pue un peu la bite zer. Essayer de plonger direct après celui-là. Remonter. Putain. On va prendre celui-ci. Remonter. Ok. Oh, on arrive au troisième tour. On est troisième. Bon. Peut-être qu'il y a un espoir. Disons, un espoir de gagner. C'est possible. C'est possible. Je le sens pas trop, mais c'est possible. Jun. Ok, je triche. Du coup, ça se passe bien. On est deuxième. Est-ce qu'on aura le temps de rattraper le premier avant d'arriver à la fin du truc? Je sais pas. Ah, quoique. En prenant le boost ici. Oh, on est repassé devant. Alors peut-être. Une petite triche, ça fait pas de mal. Non. Peut-être. Let's go. Ok, c'est bon. Oh oui, j'aurais pas besoin de faire ça au prochain stream. Jessie, merci Jessie. Oh oui. Bonne soirée Astrofrog. Contre la montre. Le contre la montre. Merde, par quoi on commence normalement les arches? Ou ces connards là? On va dire ces connards là. J'ai l'impression que c'est pas une bonne idée. Je devrais les prendre à contresens eux. Ça me manque dans le 2 quand ça nous rajoutait du temps de passer dans les trucs. Okay, faisons les arches. Oh, il y a des poissons. On va faire eux. C'est quand même vachement cool d'avoir fait des PNJ, enfin des modèles uniques rien que pour les circuits quoi. C'est vraiment vraiment très cool d'avoir fait ça. J'aurais dû les prendre à contresens, c'est peut-être ce qui va signer mon arrêt de la mort. Oh, je l'ai raté, c'était sûr. Je l'ai senti. Je l'ai senti que j'allais le rater. Faut pas que je le rate sur le retour. Ok, c'est bon. Ouh, oh là là, Neosteed, pardon, bonsoir, bienvenue. Ouais, les musiques sont incroyables. Ok. Kobe. Du bœuf de Kobe. Bien joué. Quel défi veux-tu relever? Le contre la montre, parce qu'il faut que je trouve maintenant chasseur de ses morts, hein, c'est ça? Oui, bien sûr, toujours. Je pense qu'il est... Non. Où c'est qu'il peut être? Où c'est que tu peux être, mon gars? Je vais te trouver. T'es pas dans la maison, là? Non, t'es pas dans la maison. T'es dans le phare. 100% t'es dans le phare. T'es pas dans le phare, hein, non. Si t'es dans le phare, mais t'es en bas du... Mais qu'est-ce que tu branles? Ok. T'es dans le phare, mais t'es ici. Et oui. Mais d'où viennent ces ovnis, moutons? Je viens d'en voir un qui a pris un œuf avant de filer. Il est super rapide, mais son ovni est endommagé, et il laisse des ronds de fumée. Je crois que je peux le rattraper, à condition que je passe dans ces anneaux. Je dois le poursuivre. Let's go. Je reviens tout de suite. Alors, il faut qu'on passe dans ces anneaux. Oh, la maniabilité. Ok. Ça va le faire. Ça va le faire, je le sens.
Vous allez me faire des feintes? Ouais, sans doute, hein. Oh là là, oh là là, il va se taper des demi-tours ou des trucs comme ça, je le sens. Oh mon dieu, oh mon dieu, c'était sûr. Mais d'où viennent ces ovnis, moutons? Oh. Je dois le pourtant. Ah. Reviens tout de suite. Le truc où t'es obligé de perdre pour savoir dans quel sens il va aller, ce chien de mouton. Ça va le faire. Je le sens. C'était quoi son nom? C'était Kobe. Le dernier dragon qu'on a eu, c'était Kobe. Kobe la D. Pas que j'oublie qu'il part vers la droite, hein. Il part vers la droite, vers la droite, vers la droite. Droite, 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 droite. Quel enfer, mais quel enfer. C'est niveau du cul, hein. Là, t'es vraiment à un stade où t'es obligé de savoir dans quel sens il va, sinon t'es baisé. Sinon, tu veux pas tendre le bras au hasard, là? Oh, les développeurs de cul, non mais vraiment. Vraiment. Ah ok, c'est bon, oh là là. Ouais, c'était de justesse. L'œuf a été éjecté juste avant que l'ovni s'écrase. Bien joué. Sarah. Le doublage de l'original est tellement supérieur. Ah, je suis bien d'accord. Je suis tout émoustillé par ton travail de qualité. Un orfèvre de YouTube, un génie de notre époque. Merci beaucoup, c'est gentil, hein. Et si réaliste. Merci bien. Ça fait plaisir. Well, 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 well. Eh ben, je pensais pas que je finirais maintenant. Très content. Ce circuit, ça dégage. Il me manque un truc de chasseur dans le dernier circuit. Ok, on est bien. Attention YouTube, il va y avoir une coupure de ces morts. Bon, comme je disais du coup, montagne de minuit, on a fait qu'un seul truc et le circuit bien sûr. Heureusement qu'on a fait le circuit, j'en ai marre des circuits, j'aime peu plus. Il faut qu'on retourne dans l'ancien monde. Le problème c'est qu'il faut d'abord que je trouve... bah lui, du coup, hein. On va commencer directement avec une cinématique, je pense. Eh bien, Spiro, regarde un peu ce gratte-là. C'est une figurine taille réelle de singe de l'espace, avec son fusil laser qui fonctionne. Je le laisserai bien sortir pour que tu joues avec lui, mais la sorcière le pense dangereux. Salut à tous ceux qui arrivent, vous allez bien? Bonne soirée à ceux qui partent, vous allez bien? 1300 gemmes, libère-le, bien sûr. Et j'enlève la cam pour la cinématique. Je ne peux pas t'empêcher d'aider les pauvres petites créatures, hein, Spiro? Enfin, il ne peut pas y avoir de mal à le laisser sortir, je suppose. Oui! Enfin! Je suis libre! Merci, Spiro! Oh, dis! Tu as déjà vu un ours danser? Non. Alors, c'est ton jour de chance! Regarde-moi ça! Énorme! Non, mais pas beaucoup d'endurance! Dommage, il me reste encore beaucoup de munitions! En attendant, j'ai appris que tu avais décidé de combattre la sorcière et ses armées, et que tu gagnais, et je voulais te dire: hurrah! Youpi! Ouais! Je serais bien resté, mais mon monde a été envahi par les Rhinocs après ma capture. Si tu vois la sorcière, dis-lui que je lui donnerai bientôt des leçons de danse, si tu vois ce que je veux dire. Sans problème. À plus! Mais tu es putain d'insupportable, en fait! Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Là, je suis pas d'accord. Y a un souci. Le singe n'a jamais été aussi insupportable. Ou alors, quand j'étais petit, je m'en rendais pas compte. Milaoué. Je crois que t'as épinglé ton message « il » dans le chat. Quand t'étais en train de tryhard sur... sur Kukuro! Désolé, hein, je vais voir vite fait sur... sur YouTube comment était le singe à l'époque. Le singe est un peu trop en forme, je le trouve un peu insupportable. YouTube ne veut pas? Nique ta mère?
On va passer par là plutôt. Pouin, 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 pouin. Agent 9, Spyro. PS1, oui, il faut que je précise PS1, sinon ça fonctionne pas. Hein. Il n'y a pas en français, donc interdit. Ah si, j'ai trouvé. Bon, c'est un let's play. C'est un let's play de Analogeek. Enchanté, mec. Mais c'est pas possible! Ok. Wow! Capture de fenêtre. Où c'est qu'elle est? Putain de ta mère, elle est là. Bon, comment il était l'agent 9? Oh, c'est pas du tout... correct, ça. Adapté à l'écran, ouais. Ouais, voilà. Comment c'était à l'époque? Allez, libérons l'agent 9. Libérons l'agent 9. Marche. 1300 joyaux. Ouais. Danseur. Putain, c'est vrai qu'il y avait les miniatures des cinématiques à l'époque. Yahoo! Par respect pour la personne, je vais pas non plus afficher son visage tout le long, quoi. Je lui ai pas demandé son avis. Oh, main libre! Merci, Spyro! Oh, au fait, as-tu déjà vu un ours danser? Non. Eh bien, c'est ton jour de chance! Vise un peu ça! Oh, danse, pied tendre! Tu peux danser bien! C'était pas dans le jeu de base. Pas mal pour un gros balourd, hein? Il manque un peu d'endurance par contre. Dommage, il me reste plein de munitions. Ah! En tout cas, j'ai entendu parler de tes... Ah oui, en fait, il était déjà un peu surexcité. Mais je m'en rendais pas compte, en fait, que c'était à ce point. Après, c'est le côté un peu plus... Ok. Et ben voilà, c'était super utile. Moi, j'ai appris une mauvaise nouvelle aujourd'hui, donc avec le stream, ça va aller un peu mieux. Courage à toi. Le chat d'un de mes grands frères est décédé hier soir suite à des problèmes digestifs et un système immunitaire défaillant. Il avait 15 ans et c'était un petit siamois tout câlin. Oh, je suis désolé pour lui. Courage à toi, du coup. Condoléances, c'est dur. Je peux pas m'empêcher de faire le transfert avec mes chats à chaque fois, du coup, ça me rend triste. Bah, on va jouer le singe, hein. On va jouer le singe. Et puis, on verra bien. On verra bien. J'espère que c'est pas chiant à jouer, hein. Je m'en souviens plus du tout. Oh, c'était quoi? Tu as vu un Rinoc? J'ai cru voir un Rinoc. Oh, crois-moi sur parole, Spyro. Ne passe jamais une semaine dans une cage. Mm-hmm. Tout ce que tu y gagneras, c'est que ton île sera entièrement remplie de Rinoc. Bon, je dois y aller. Mon pistolet laser et moi, on a du travail. Ok, ta gueule. Oui, c'était les graphismes de la PS1 qu'on a vu, hein. Ça fait bizarre, hein. On s'en souvient pas comme ça à chaque fois. Je préfère le pingouin. Le pingouin, j'ai du mal aussi. Le pingouin, j'ai du mal aussi. Oh, le prof! Mon élève préféré. What the fuck? Content de te revoir sur mon île laboratoire. Les rhinocs ont malheureusement envahi toute l'île. Tu peux les arrêter avant qu'ils détruisent mes recherches? Oui. Bon, comment ça se joue, cette saloperie? Ok. Ok, c'est tout. Y a que les tirs. Oh là là. Et attendez, et qu'est-ce qui se passe si je joue à la manette? Clavier-souris, je veux dire. Oh, peut-être que clavier-souris, c'est mieux. Faut que j'essaye. Comme au bon vieux temps. J'essaye clavier-souris. Sur les mannequins pour t'échauffer. Mais fais attention, je crois qu'un Rinoc est caché parmi eux. Mmh. Alors, à la souris, c'est quand même vachement plus simple ce genre de truc. Oh oui, à la souris, c'est mieux. Hein. De toute façon, dès qu'il faut viser, c'est souris. Hein.
Alors je sais pas si ce sera peut-être un peu plus gerbant à regarder à la souris, j'en sais rien. Je sais que c'est pas assez sensible par contre. Est-ce que je peux augmenter la sensibilité? Ah oui. 47? On passe de 15 à 50? Je sais pas si c'est une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Peut-être ? On va s'habituer, hein. C'est pas une bonne idée. Ah, on va vomir. 24. Oui, c'est bien. Ok, je peux pas péter ça. Faut que je me réveille, putain. Allez, sieste de 2 heures, c'est un enfer. Hein. Très mauvaise idée. De nombreux Rinnok attendent que je baisse ce champ de force pour nous attaquer. Il continuera d'en arriver jusqu'à ce que tu tires sur le bouton rouge à côté de la porte d'où ils proviennent. Oui. Tire sur le bouton rouge, ça devrait le faire. Je vais faire vomir tout le monde. Pardon. Ok, j'ai tiré sur le bouton rouge, bien joué. Le bouton rouge, c'est fait. Je m'entends trop fort dans le micro, enculé. Pardon. Peut-être si je baisse un peu comme ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, c'est peut-être mieux. Pardon, hein. Je trouvais ce niveau, quand j'étais petit, beaucoup trop en décalage par rapport au reste de l'univers Spyro, en fait. Je trouvais ça trop bizarre qu'il y ait un labo comme ça. Les indicateurs montrent qu'un tas de Rinnok se cache derrière l'écran. Je vais allumer le piédestal de vision et tu leur tireras dessus quand ils attaqueront. Mm-hmm. Je te conseille d'utiliser le mode tireur d'élite. Non, non, non. Pas besoin. T'inquiète même pas, je suis à la souris. J'ai toujours pas compris le but. J'ai pas compris, hein. Ah, ok, j'ai compris. Ça va. Ah, ça rebondit. Tu les as éliminés. Voyons dans quel état se trouve la salle des machines. Je prépare le sac à vomi au cas où. Que les Rinnok ne soient pas très propres. Bonne idée. Bien. Et il serait temps de faire le retour des jeux d'horreur aussi sur la chaîne un jour. Hein. Je crois que j'en ai un ou deux de côté. Mais pour ça, il faut que j'arrête d'annuler les streams du lundi et du mardi. Après, j'ai toujours de bonnes excuses. Comme je le pensais, la salle des machines est envahie d'oiseaux. Pour viser les oiseaux dans leur nid, utilise le mode tireur d'élite. Puis... Pour viser les oiseaux dans leur nid, utilise la souris surtout. Oui, à la souris, tout passe. Connard, va. J'ai pas vu arriver, hein. Excellent travail, agent 9. Je ne sais pas si c'est un œuf d'oiseau ou de dragon. Qu'en penses-tu? Bella. Ah, Bella. Salut Manu Orion. Tu vas faire le remake de Until Dawn, bien sûr. Bien sûr. J'attends que ça. Je vais couper la parole, pardon. Ma bad. Je suis dans la merde. Ah mais en fait je peux maintenir. Quel trou du cul. Bah où ils sont? Ok. Facile, non? Ça sent déjà meilleur. Allons dehors. Je pense qu'on Silhouette de Deep, oui.
Il te faudra une arme plus puissante si tu veux réussir à les battre. Stylo Wake de Deep, je l'ai depuis un bon moment, il faut que je le fasse. J'espère qu'il est bien. J'ai aussi le Five Nights at Freddy's en pixel art à faire. J'en ai des tas. J'ai rien oublié, je crois. Quel banger en vrai. Y'a un problème, chef. Ah. D'après mes calculs, les bombes de ce distributeur devraient être très efficaces contre leurs armures. Tu devrais essayer. Mâche gauche. Gauche. Comme ça. J'ai peut-être raté. Ok. Ouh. Alors ça, clavier souris, c'est moins facile. Oh merde. Fuck me. Ok. Oh, ça c'est... Oh wow. Je vais en récupérer un peu plus. Comment je fais pour aller là? Oh Nick. Facile, non? Petit bug de son. Sauver mon laboratoire. Mais j'avais pas fini. Je peux recommencer à réfléchir. Rowan. J'ai mis le live sur la télé, maman, le live en grand. Let's go, en grand écran. Bonsoir mademoiselle Liv, ça va? On met les lunettes, hein. J'y vois rien, mais elles sont bien. Oh, il me faut les bombes. Alors, si vous voulez regarder sur grand écran, le mieux c'est de regarder les VOD sur YouTube. Elles sont en 4K. Parce que les streams Twitch, bon, la qualité elle sent un peu la bite, on va pas se mentir. Si je fais ça, c'est devenu tout pixelisé normalement. C'est le problème de Twitch. C'est le problème du flux. Le singe fait trop penser à Ratchet. Putain, j'avoue. Après, c'est le même studio donc. C'est Insomniac Games donc ils ont pas dû avoir trop de mal à reproduire le gameplay. Bon, ceux qui se sont occupés du remake, c'est Toys for Bob, mais ça change pas le gameplay, quoi. J'ai appris un truc il y a quelques jours, d'ailleurs. Toys for Bob, donc les développeurs qui se sont occupés de ça, se sont également occupés du remake, normalement, de la trilogie Crash Bandicoot. Donc, je sais pas si vous avez connu Crash Bandicoot. Moi, j'ai pas connu, personnellement. D'ailleurs, j'aimerais bien le faire un jour. Ils se sont également occupés de Crash 4. Et ils avaient prévu, juste après la sortie de Crash 4, de se pencher sur Crash 5. Et les équipes avaient envisagé de faire un Crash 5 en featuring avec Spyro. Donc en fait, Crash et Spyro devaient s'allier le temps d'un jeu, en fait. Ça aurait été incroyable. Sauf que comme à l'époque, Toys for Bob travaillait pour Activision qu'on adore bien sûr, on dit non, non, non. Nous, on pense que Crash 5 et Spyro, ça fera pas assez d'argent, donc vous allez annuler le projet. Donc le projet a été annulé. Donc il n'y aura pas de Crash 5... Enfin, attendez. Normalement, il n'y aura pas de Crash 5 avec Spyro. Mais Toys for Bob ont quitté Activision il y a quelques mois. Donc peut-être que depuis qu'ils ont quitté Activision, ils ont repris leur projet de faire un Crash Bandicoot 5 avec Spyro. Ça pourrait être... sympa en vrai. Ce serait l'occasion pour moi aussi de faire tous les crashs avant que ça sorte. Mais il me semble que les Crash Bandicoot sont assez compliqués. Donc ça va encore être de grands moments de stream, je pense. Et oui, ils sont indépendants maintenant. Et heureusement.
Parce qu'Activision, sont chiants, quoi. À faire annuler des projets sympas pour la thunasse. Comme s'ils récupéraient pas assez de thunasse avec, avec tout ce qu'ils ont déjà, quoi. Comment je viens ici ? Je suis con ? Alors ça touche pas ? Ah oui, ça touche quand même. Je sais pas comment je vais ici. Tire sur les bateaux. Est-ce que je peux lancer un truc en cloche ? Merde, ma race. Une bonne cloche. Ah non, je peux pas plus que ça. Hein. Ok, non. C'est pas ce que je voulais faire. Il doit y avoir une couille quelque part. Je connais le jeu. Tire à travers, ça passe pas. Ça passe pas, ça passe pas. Fallait pas que je passe là quand même, non. Non. Oh. Piou. Ça aurait été con de le rater, ça. Eh, je suis de retour ici. Bah oui, partout Tatis. Actipognon, exactement. Oui, il faut que je fasse un peu plus attention au ballon. Mais de toute façon, je vais tout trouver hein, au final même. Là, je suis en train de réfléchir à... à cette putain de porte. Je vais réessayer de tirer à travers comme on me le dit. On verra bien ce que ça donne. Mais j'ai un petit doute là. Doulidou. Ça passe pas. Ça passe pas. Est-ce qu'il n'y a pas une entrée ? Non, hein ? Et la bombe, elle peut pas passer par-dessus les trucs électriques, là ? Regardez si je fais ça. Ah ! Trop facile, ce jeu de mort. Ok, tirer sur les bateaux, donc c'est ça, hein. Non mais c'est fou ça. Ah bah quand même, putain, je suis dessus tous les jours. Je suis dessus. Quel enfer. Frérot. Mais... Ok. Ça va bien se passer. Ok. Ok. À ton tour. Très bien. Tony. Giorgi Giovanna, bonsoir. Bienvenue. Je lurk. Et bah bon lurk à toi. Bon lurk à toi. Ok. Je pense qu'avec ça, on a fini le truc à 100%, si je dis pas de bêtises. Faut que j'aille Faut que j'aille chercher encore des bombes. Ça, clavier souris, c'est de la merde, hein. Sachez-le, hop. C'est pas parfait, il m'en manque 20. On va reprendre la manette.
Parce que c'est grâce à la manette que Sparks peut faire. Hein? Ah oui, bien vu. Oh, heureusement que j'ai pas fait tout le truc à la manette, hein, je vous le dis. Quoi d'autre? Ah oui, bien vu. Et je pense que c'est tout. C'est tout. On se casse. Je sais même pas pourquoi je fais ça d'ailleurs. Bravo. Invité Nalf à un laser game, il va péter les scores. J'en ai fait un en plus. Et j'étais pas trop éclaté non plus. Hein. Salut la grosse gold 12, ça va? Bon, comme j'ai dit, du coup, il faut qu'on finisse l'autre monde. Le lac du soir. Déjà, le lac du soir, il me manque 12 joyaux que j'ai pas trouvé. Je vais aller chercher les 12 joyaux qui manquent. Et puis voilà, on va voir. Merci pour le GG, gentil. Où c'est qu'ils sont? Ah putain! Ah oui putain! Ok. Bah si c'est juste ça... Eh bah c'était pas juste ça... Qu'est-ce que tu m'indiques? Je comprends pas. Oh non! Putain, il faut que je monte, c'est ça? Les fameux 12. Ouais, c'était les fameux 12. Hein? Oh putain. D'accord. Est-ce que c'est là que ça se passe? Ok. Ok, c'est pas grave. Pas grave. Pas grave. Juste pas tomber et c'est win. Ranger Forza, bonsoir. Juste pour te dire que tes vidéos sont super et me font découvrir des jeux et jouer à des jeux auquel je n'aurais pas pensé ou entendu parler, donc continue de nous faire kiffer. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ça me touche beaucoup. Et bah avec grand plaisir, hein. J'espère que... les prochains sur la liste... te feront le même effet. Hein? Merci beaucoup. Te feront le même effet. Même si en ce moment je suis en train de tester Cyberpunk. Mais je pense que je vais le faire découvrir à pas grand monde parce que... quand même. C'est un jeu qui a eu beaucoup de succès quoi. Après bon, même moi je l'ai jamais testé vraiment. Donc faut croire que, qu'on est nombreux à pas l'avoir testé ce jeu. Ah! En fait beaucoup de gens ont refusé de tester Cyberpunk à cause de du shitstorm de sa sortie, hein, du gros drama qu'il y a eu. Parce que le jeu était tout simplement injouable. Oh non, pas navire perdu. Oh, c'est de la merde. J'avais oublié que j'avais pas fini ce niveau de Moore. Cyberpunk était vraiment injouable à sa sortie, donc beaucoup de gens ont abandonné. Je n'arrive pas à parler. Dont moi, d'ailleurs, hein, quand j'ai lancé le jeu la première fois, j'ai pas spécialement accroché. Mais maintenant que c'est en mode Cyberpunk 2.0, c'est vraiment un banger. Hein. Je suis en train de le faire en ce moment et c'est vraiment très très bien. Je sais pas encore si je vais réussir à en faire une vidéo. Normalement oui. Je devrais avoir le matériel pour, mais... Je sais pas. Nique ta mère toi. J'ai pas que ça à faire. Il faut que je retourne à l'endroit où il y avait le skate parce que... on n'avait pas chasseur de disponible la dernière fois. Et sans chasseur, bah on pouvait pas faire le truc du skate. Et on adore le skate.
Putain, il fallait que je nage aussi. Oh. Je suis censé trouver un œuf dans ces eaux de merde. Mais je le trouve pas. C'est quoi ça? Ah bah tiens, le skate. Le skate de ces grands morts. Bon, à partir de là, ça va être horrible, hein. Spyro, tu arrives pile à temps. Un gang de skaters Rinok nous défie à la course. J'aime bien ces lunettes parce que... Tu es encore plus lent qu'une limace de feu. Mais je t'ai défendu. J'ai dit que j'avais déjà vu des limaces super rapides. Elle m'empêche d'avoir les yeux trop pris par la lumière, c'est sympa. Même si je vois rien. Il y a le DLC en plus maintenant, Phantom Liberty. Oui, ouais, que je ferai sans doute pour la vidéo aussi. Il est incroyable, ouais, il est vraiment bien, ouais. Mmh. Ouais, j'ai hâte de voir ce que je peux en faire, même. Alors, tu es prêt à les affronter? Ils ont parié un œuf que tu ne les battrais pas. Le truc, c'est que maintenant, je taffe tellement sur les vidéos que je peux en sortir qu'une par mois, et c'est un peu frustrant quand même, mais bon. Au moins, le résultat est là, donc je suis content, mais... J'aimerais bien en sortir plus. À la course avec les Rinok, oui, bien sûr. Après, bon, à l'époque où je me butais vraiment aux vidéos LOL, ça me bouffait tellement mon inspiration qu'il y a des fois où je sortais pas de vidéos pendant 2 mois parce que j'avais plus aucune hype pour faire des vidéos LOL. Donc maintenant, je suis vachement plus épanoui. Super. C'est vachement cool, hein. Tu peux utiliser ma planche spéciale de course. Ah. À chaque figure, tu rempliras un peu la jauge de turbo. Ah. Tu peux utiliser le turbo à tout moment en appuyant sur charge. Ah, c'est... Bonne chance. Comme ça que tu accélères, tu dois faire des figures genre ça. Ok, et après je fais ça. Non, comment tu fais le turbo? Ah mais c'est pas rempli en fait, d'accord. Ça va être atroce. Je suis 6ème. En fait c'est un circuit quoi. C'est un circuit mais en plus chiant. Je suis une merde. Ah oui voilà, ok d'accord. C'est littéralement un circuit en plus chiant. Je vais péter mon crâne. Ok. Laissez-moi reprendre mes marques en skate. Ça va le faire. Ah. Ah ok, il me faut le turbo pour avancer ici, j'ai compris. Ah oui, ok. Il faut que j'utilise le turbo quand je prends les sauts. Ah oui. Et que je fasse toujours une... Ok. Je vais bouger la cam. Parce qu'on peut pas voir à quel tour on est. Kakam, viens ici. Je te mets là. Est-ce qu'elle est bien? Ouais, 2 sur 3, on voit quand même. Je suis trop maniaque. Ok. J'ai la cam un petit peu sur le truc, du coup ça me stresse. Voilà, c'est bon. Ok. Au moins la vidéo est calée, c'est gentil, merci. Boy. Ah, t'avais fait Cyberpunk toi, Karine? Ok. Je recommence la course du coup, hein. Vu ce que j'ai fait, c'est pas fou. Eh bien, qu'est-il là? Super. Ok. Faut pas que je sois trop gourmand sur les figures non plus. Je suis gourmand. Ok. Ok. Une. Ouh, là, ça passe pas du tout. Hein. Ah, j'aurais dû prendre l'étoile là, con. Con de moi. Qu'est-ce que je fais? C'était prévu, bien sûr. Ah, karma. Juste karma. Karma. Mérité. Pas mal ça. C'est un pont. Hein? D'où? Me revoilà 6ème. Bon 6ème.
Mais j'ai quoi dans la bouche là? Un giga chibrax de rhino? Mais il est horrible ce saut de cul! Je peux pas le faire ce saut en fait. J'ai l'impression qu'il a la bouche pleine, Spyro, c'est bizarre. Ah mais merde, c'était le cas en fait. Il y a un truc automatique qui me dirige. Je le sens. Non. Bah il y a que dans contrôle en fait que ça pourrait être le cas. En fait, Spyro se dirige sensiblement vers les trucs, mais si je veux pas les prendre, ça me nique tout mon move quoi. Je vais y arriver. Hein. Je vais y arriver. Eh bien, qu'est-il arrivé? Je pourrais les battre avec ma queue attachée dans le dos. J'espère vraiment que tu feras beaucoup mieux cette fois. Moi aussi, j'ai la queue attachée dans le dos. Et je vais les battre. Super. T'inquiète même pas. Je mets juste mes lunettes parce que mes lumières sont en train de me niquer les yeux. Trop chaud. Point faible, trop chaud. Et il faut que je reste en constant turbo si je veux prendre ça en fait. Oh, c'est trop haut. Non! Trop de cul! Tranquille. Ça va bien se passer, cerveau. Mais. Il y a un problème. Je vous jure que Spyro se dirige à des endroits totalement aléatoires. Turbo. Ok. J'arrive, hein, les bolos. Bougez pas. C'est le temps que je me remette en selle. Je suis mort. Non, c'est bon. Est-ce que là j'ai assez de turbo, vous pensez? Bien sûr que non. Oh là là. Tu te traînes. Je pense qu'à ce rythme-là, il faut que je recommence, non? Parce que je vois même pas mes concurrents, c'est bizarre. Je crois que c'est pas normal. Pourquoi mes figures ne m'apportent pas de turbo là? Eh, jeu de con. Oui. Je suis tout seul sur la course. Je recommence. Ça va le faire. Une, deux. Ok. Je prends pas le risque. Les cacapaquets! Je prends pas le risque. Meurs. Ok. Ça, c'est une leçon à retenir. Quand vous êtes dans une course, tuez vos concurrents, en général, ça marche. Connard, va. Reviens ici. Il a tourné! Je lui ai pas demandé de tourner! Trou de cul! 1, 2, 3. Pourquoi il part sur le côté? Je comprends pas! C'est un problème de la manette ou... 1, 2, 3. Va pas sur le... Et oui, il part sur le côté à la fin de la roulade en fait. C'est un jeu vendu quoi. Moui. 1, 2. Ok. En fait, faut pas que je fasse de front ou de backflip. C'est de la couille tout ça. C'est des trucs de frimeur. Ah, j'aurais peut-être dû faire une petite. Oh. Eh, mais quand je fais ça, ça me donne rien. Ah, si, quand même. Oh. Bon, je vois pas mes concurrents, mais. Mais bon. 1, 2, 3. Bien joué. Ok. Je vais faire que ça, en fait. Ok. Est-ce que je peux rattraper les gens? Ah, quand même. 1, 2, 3.
Oh là là, je suis chaud. Ok. Essayez de pas tomber maintenant. Ce serait cool. Eh bien, qu'est-il arrivé? Je pourrais les battre avec ma queue attachée dans le... Oh ta gueule. Super. Allez, au boulot. J'avais pas vu qu'on était déjà au tour 3. Oh, ça va être horrible. Je savais que le 100% de celui-ci serait bien, bien pire que le 100% du 2. Ok, bien joué. Pas dégueu. Ok. Je chope ça. Non. J'ai cru que je passais pas. J'ai passé en haut. Ça a touché le bateau. C'est pas grave. 2. Ah, ça gratte le pif, putain. Toujours au pire moment, hein, c'est fou ça. Oh bah j'ai pas assez de... Eh non, j'ai pas assez, frère, j'ai pas assez. Voilà. Hop. Hop. Abruti de cul. Ok. 1, 2, 9. Ok. Je suis deuxième. Ok. Je suis premier. 3, 2, 1. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va le faire. Troisième tour, premier. Oh. Oh. Je suis ultra lent. Je vais me faire baiser sur la ligne d'arrivée. Je le sais, je le sais, je le sais. 1, 2, 3. Et là, si je perds ma grosse gueule. 1, 2. Quoi? C'est bon, ça passe. Oh non, oh non. Super, tu leur as donné une bonne leçon à ce ramassis de Gnork. Oh, et du coup, on a gagné cet œuf aussi. Olivier. Olivier, Olivier. Maintenant que les Rhinox sont partis, tu veux essayer un vrai défi? Oh non! Je sais que tu es rapide, mais tu pourras pas vaincre tous les crabes du circuit et me battre à la course. Tu veux essayer? Non. Mais j'ai pas le choix. Ok! Tu vas manger ma poussière! Oh. Olivier de Carglass, ouais. Merci pour les GG. C'est gentil. Vaincre tous les crabes et gagner la course. Comment ça? 10 crabes. Crabe. Oh, c'est chiant ce soir. En plus, il va vite ce connard. Je vais faire un tour pour les crabes et un tour pour lui péter sa mère. Je pense que c'est la strat. Oh, j'ai raté un crabe. Quoi? Tu te couesses dans les textures? Tu crois que c'est le moment? Ah, il y a un crabe là-bas. Mais il y en avait un là aussi, donc ça va. Wow. Ok, il me reste deux crabes. Je crois savoir où ils sont. 1. Ça me donne pas de turbo. Bon, d'accord, ok. Il est où, chasseur? Où c'est qu'il est passé? Où? Je vais me faire le crabe tant qu'on y est. 1, 2. Go, go, le crabe de Seymour. Maintenant, chasseur, par pitié. Où il est, ce con? Mais lui, il a pas besoin de s'occuper des crabes, donc c'est un peu de la triche, non? 1, 2. Il faut que je garde un peu de turbo pour prendre ça, là. Par contre, on est au tour 3 et je vois pas mon opposant, quoi. 1, 2. Mais je suis complètement bézère, ou... Je fasse des backflips ou des frontflips de ces mours là, pute.
Ok, on a perdu. Mince, j'arrive pas à croire que tu m'as battu. Je me suis entraîné tout le temps en pensant que tu ne faisais que chercher les œufs. Ah, d'ailleurs, un des crabes avait celui-là avec lui. T'es premier depuis le début ? Trop fort en fait. C'est pour ça que je voyais plus mon opposant, il était dans le rétro. Mais j'avais pas de rétro sur le skate. Aiden. Stylé. Je l'ai doublé au tour 1. Ouais, je savais. C'était pour l'entertainment que je faisais le rageux. Oh là là. Naverse en... Ah, Naverse. Naverse l'acide en traçant, ouais, bien sûr. Ah oui, putain, il faut que je récupère tous les... Oh... Oh, faut que j'aille récupérer tous les joyaux, en fait. J'ai gagné, merci pour les GG. Où les joyeux? Ça donne du boost de tuer les crabes. Lui, c'est crabe. Et lui, Goyle. Moi, je m'appelle Malfoy. Drago Malfoy. Ça te fait rire? J'ai plus les... Je sais plus après ce qu'il dit. Un rouquin et une robe de seconde main. Tu es probablement Frodon. Merde. Concentre-toi peut-être. Il y en avait là-bas. Con. Je reviens en arrière, je m'en bats les couilles. Ok. Tombe, tombe, pitié. Ah, mais je suis obligé de rester sur le skate. Ah, jeu de merde. Aiden, c'est la déesse dans Star Stable. J'ai hâte d'avoir les refs de ce jeu maudit. C'est la déesse jument. Oui, 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 oui. Un rouquin. Et une robe de seconde main. Tu es forcément pauvre. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je pense que j'ai tout. En tout cas, je n'ai pas vu d'autres. Allez, je me casse avec le skate, hein. Du coup, 530 sur 600. Oh. Ok. Bon, il faut que je trouve cette offre de mort dans... Ça brûle dans l'acide. Cassez-vous, cassez-vous. Mais cassez-vous. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux? Je réfléchis à où il peut être cet œuf de mort. J'ai traversé l'acide un peu partout en fait, du coup. Mais je me souviens que quand j'étais petit, je le trouvais direct. C'est qu'il doit pas être trop compliqué à trouver quand même. T'as cru toi? Oh, il faut que je tue les oiseaux de merde aussi. Non, pas comme ça! Zinedine! Depuis quand les ennemis repop? C'est Elden Ring ou Spyro 3? Star Stable est un banger. C'est la déesse qui a apporté la vie à l'île de Jorvik. Hein? Ah ouais. C'est un peu un lore comme Elden Ring, quoi. C'est le même niveau. Ah, mais à ton dire! Ah non, je reviens là où je suis. Bah ouais, bah bien joué. Mais putain, il est où cet œuf? Oh,
Non, c'est pas ici. Je reprends ça vite fait. Et j'essaye d'aller au bout pour voir. Pas facile de s'y retrouver dans cette eau verte dégueulasse. Enfin, cet acide de mots. Ici, non. Non, bah non. Ombalamba. Ombalamba. Oh, le Tchad. Ok. On a trouvé Tchad. Calme-toi. Star Stable défonce Elden Ring tous les jours, t'inquiète. Ah, j'en doute pas. Bah déjà, il y a des vraies montures dans Star Stable. C'est déjà un gros plus. C'est à moi, tous les trucs qui brillent là-bas. Comment je fais pour les avoir? Oh oui, j'ai compris. Il faut que je tue les oiseaux. Putain. Officiellement, le pire niveau de Spyro 3. On l'a trouvé. Bien joué. On l'a trouvé. Je peux pas tuer l'oiseau avec ça. Si je vise bien. Enfin, si l'oiseau revient un jour. Ok. Allez, arrête, tu m'énerves. Ok. Je suis obligé de le faire au canon. Pas le choix. Ces ennemis sont ultra chiants en plus, hein. Super. Je m'étais pas plaint depuis le début, bah ça y est, ça commence. Comment je fais? Je l'avais déjà tué, je suis dégoûté. Il est trop chiant à tuer lui aussi. J'arrive pas à l'atteindre. Meurs. Je crois que lui je peux pas en fait. Mais premier degré, je crois que c'est pas possible. Je crois que ça se passe avec un autre canon. C'est avec un autre canon, c'est pas possible autrement. Il doit y avoir un autre canon quelque part, je refuse de croire que c'est avec celui-ci que je le tue. Oui. Qu'est-ce qui se passe si je monte ici? Je vais vomir. Oh putain! Et oui, j'avais oublié que j'avais un truc à péter là aussi. Et d'ailleurs, je l'avais pété l'autre fois et j'ai oublié d'aller chercher les joyaux, bien joué à moi. Non. Oui. Il y a les Star Coins. Les Star Coins doublés. Trop stylé. Trop hâte de me lancer dans ce jeu. Je vais passer un mois de mars vraiment excellent. Ah putain, mais je me souviens plus comment je fais pour y accéder. Comment je fais pour aller là? Mais attendez, mais c'est bizarre ce niveau là. Peut-être que j'aille sur ce bateau. Comment je vais sur ce bateau? Ah, en passant par ce bateau. En fait, il faut aller de navire en navire, c'est ça? Je crois que j'ai saisi. Tu vas découvrir un univers fantastique. Ouais. Ah bah quand oui, bah oui, en fait, il fallait aller de navire en navire. Bien joué. Et le fameux canon, putain. Voilà, ok, d'accord. Et je me suis fait chier pour rien, finalement.
crever tous. Oh, les oiseaux de mort. Alors, faut que je les touche. Je crois que je suis mauvais. Ah non, c'est bon, je l'ai eu. Eh, s'il te plaît, meurs. Ok. Ah, mais tous les tuer, c'est chaud. Oh. Vous avez vraiment pas été cool sur ce niveau. Hein. Je tiens à le dire, hein. Je tiens à me plaindre un peu plus. Où il va? Où il va? Ok, c'est bon. Lui, c'est bon. Oh, toi là! Ah, c'est lui que j'arrivais pas à toucher depuis tout à l'heure. Je vais essayer de me le faire. Hein. Ok. Et lui là-bas, je sais pas comment l'avoir, mais. Non. Un peu plus bas. Oh! Juste à côté, oh, faut que j'attende qu'il repasse. Oh, une sponsor Star Stable, ça aurait été incroyable. Je devrais leur envoyer un mail en vrai. Je pense même que je vais faire ça. Je vais leur envoyer un mail. Leur dire je veux bien faire une vidéo sur votre jeu incroyable, mais. Est-ce que y a moyen de négocier un petit billet au. Merci, 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 merci le jeu, merci. Il était horrible ce niveau. Nous voici de retour en Asie. Je parle du continent, pas de ma tenue. Du coup, Nalf qui transforme un sub goal en OP. Comment ça un sub goal? C'était pas un sub goal, hein. J'ai toujours voulu faire, Star Stable un premier avril. Le problème c'est que. Je rate à chaque fois qu'il y a une occasion ou un event. À chaque fois qu'il y a un event, je le rate. L'anniversaire de la chaîne, je le rate. Le 1er avril, je le rate. Noël, Halloween. Je rate tout. Je crois même que j'ai raté Halloween l'année passée, il me semble. En stream. Je sais plus. Non, je crois pas. Je crois que je l'ai eu Halloween l'année passée en stream. Cette année, je vais pas le rater. J'aurai un maquillage. Un beau maquillage, comme d'habitude. Et puis on va faire des jeux qui font peur. Comme Star Stable. Je sais que c'est à la fin du niveau qu'on doit aller. Star Stable, c'était un sub goal. Mais pour un stream, pas pour une vidéo, du coup. Je me souviens plus. Parti clavier souris, allons-y. Hein? On joue à la première personne? Salut agent 9. Il y a des ninjas effrayants derrière ces portes. En utilisant tes talents de tireur d'élite, tu dois pouvoir les éliminer. N'oublie pas d'appuyer sur attaquer pour tirer et roulade à droite ou roulade à gauche pour esquiver. T'avais eu le make-up security breach à un moment en banger. Ouais, il était bien fait. Ok, j'ai pas écouté.
Ah oui, c'est... Oh, c'est un niveau en FPS. Waouh. Lourd. Oh, j'ai raté le premier... Oh, j'ai raté le premier tir, bien joué. Ah. Faut pas le faire chier, l'agent 9, hein. Il est calibré, hein. Putain, ça me fait penser que... Oh, j'ai joué un petit peu à Doom aussi pour ma future vidéo. Sur la licence. En fait, c'est simple, j'ai commencé tous les jeux que je vais traiter. Dans le désordre. J'ai commencé Batman, j'ai commencé Metal Gear, j'ai commencé Doom, j'ai commencé Cyberpunk. Il faut juste que je me décide dans quel ordre je fais tout ça, quoi. Là, on est plus sur du Cyberpunk, normalement. J'ai pas de bêtises. Je suis plus avancé, en vrai. C'est toujours Spyro ou... Spyro Modern Warfare. Warfare. J'ai commencé aussi Wukong. Enfin, Wukong, en fait, j'ai commencé à faire des records dessus et tout. Je suis allé jusqu'à l'acte 2, j'ai pris plein de records et tout pour une vidéo. Et finalement, j'ai pas été inspiré du tout. Je crois que finalement, faire les jeux actuels, ça me parle plus trop. Même Star Wars Outlaw, j'ai pas... j'ai aucune envie de faire une vidéo dessus, en fait. Pourtant, c'est ce qui marcherait le mieux, hein, les jeux actuels, mais... J'ai remarqué que les Pourquoi Jouer avaient beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de... de sens... quand je m'attaque à des jeux cultes, en fait. Soit des jeux cultes, soit des jeux qui méritent vraiment d'être vus et joués. Et du coup, je me dis, si je fais une vidéo sur Star Wars Outlaw en disant que le jeu doit absolument être fait parce qu'il est trop bien, bah, il faut que je le pense, quoi. Après, le titre Pourquoi Jouer, c'est... J'aurais jamais dû choisir ce titre, je suis un peu dégoûté. Parce que j'aurais bien aimé faire des Pourquoi Jouer sur des jeux nuls à chier, en fait. Mais je vais pas commencer à faire Pourquoi Ne Pas Jouer, parce que je veux pas être dans la négativité non plus. Pouit, 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 pouit. Ouais, je préfère que l'ambiance de la vidéo soit... bonne ambiance, quoi. Qu'il y ait de la bonne humeur et tout. Ça donne un peu le smile. Plutôt que de faire une vidéo sur un jeu en particulier pour dire que le jeu pue la merde, ça m'intéresse pas des masses. Enfin, quand c'est quelqu'un comme Shunai qui s'en occupe, c'est marrant parce que c'est le personnage qui est full mauvaise foi et du coup c'est très marrant et très bien fait. Enfin, mauvaise foi. Sauf quand le jeu mérite vraiment, mais il y a des jeux qui méritent pas et du coup c'est marrant. Mais quand c'est pas du tout dans ton personnage, c'est juste pas ouf, quoi. Mais il va tuer un enfant, là. Et du coup, il y aura pas de vidéo sur Star Wars Outlaw. Je peux pas dire si le jeu est bien ou pas, parce que je l'ai pas testé. Enfin, si, j'y ai joué, mais... J'y ai joué il y a une dizaine de jours pour tester justement, pour voir si je pouvais faire quelque chose dessus, mais ça m'a pas inspiré plus que ça, donc bon. Je crois que je suis vraiment dans ma période où j'ai envie de travailler sur des jeux cultes. Et quoi qu'on en dise, Cyberpunk c'est déjà culte, donc... Donc voilà, tout bénef. Bonne ambiance, quoi. Il est bien ce niveau, hein. Il est long ce niveau. Surtout que je vous pète la gueule à tous.
Faut que je pète les boîtes. Ils sortent des boîtes. Ils sortent des murs. Ah bah oui, mais il y a des boîtes aux quatre coins de la planète aussi. C'est pas fini, oh! Ah non, c'est pas fini. Il est où l'enfant qui va mourir? Ok, on a pété la boîte. Ah, il est là, putain! Attends deux secondes, hein. Tant pis, si tu meurs, moi je dois ramasser tous les joyaux, sinon je vais être dans la merde à la fin. Et j'ai pas du tout envie de recommencer, en fait. Dans ce cas, tu appelles les jeux pour quoi faire, et hop, t'as un jeu de mots. Ah! Ouais, mais c'est pas beau. Ça cool de voir des jeux qui ont un peu mariné. Ouais, ouais, je trouve aussi. Regarde Baldur's Gate 3, le jeu est un banger. Oh, mais ça, c'est parce que Baldur's Gate 3 était déjà culte dans mon cœur dès la sortie. Star Wars Outlaw ne sera pas un jeu culte, hein, sachez-le. Désolé. Hein. Ça restera pour certains un bon jeu, pour d'autres une catastrophe. Mais bon, de toute façon, dès que Ubisoft sort un jeu, t'as toujours 50% des gens qui disent que c'est une catastrophe. Donc, de ce côté-là, ça bougera pas. Mais je pense que dans 5-6 ans, quand on parlera de Star Wars Outlaw, on dira pas que c'était un banger. Mis à part, bien sûr, les fans du, fans du jeu. Quoi. Salut ! T'es censé être mort. Merci de m'avoir sauvé. Tu devrais t'occuper de cet œuf avant que les Rhinoc le fassent exploser. Merci de m'avoir sauvé en faisant exploser la bombe sur laquelle j'étais attaché. Donovan ! Ah. Cyberpunk est un excellent jeu, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression d'avoir énormément de choses à dire dessus, mis à part le fait qu'il soit excellent, en termes de trucs rigolos. J'ai 2-3 trucs, bien sûr, j'ai eu 2-3 idées, mais pour l'instant, pas de quoi faire une vidéo comme Bioshock ou Elden Ring. Ah, il fallait que j'aille voir Chasseur au circuit. Et une fois qu'on aurait fait ça, on aura fini l'avant-dernier niveau, l'avant-dernier monde entier. Contre la montre. Et il faut que je trouve Chasseur. Il me semble que Chasseur, il est quelque part. Oh là, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a... Il est là. Ok. Attention, Spiro. Il y a un très gros ovni mouton par ici et il essaye de m'attraper. Me pète les couilles, les ovnis moutons dans le jeu. J'ai sauvé un dragon qu'il tentait de voler et maintenant il veut se venger. Attends ici, je vais attirer l'ovni plus en aval de la rivière de miel. Ok, c'est parti. Qu'est-ce que je dois faire? Oh putain, qu'est-ce que je dois faire? Ah mais c'est moi qui joue. Quel con. Je croyais que c'était une cinématique. Mais oui, non mais bah oui. Bah ouais. Abruti de cul. Il y a un très gros ovni mouton par ici et il essaye de m'attraper. Non mais c'est trop. J'ai sauvé un œuf de dragon qu'il tentait de voler et maintenant il veut se venger. Mais c'est un peu ça, In the Fiac. Enfin Luna. In the Fiac. The Fiac 12. Ouais, c'est un peu ça, c'est... Bonjour, j'ai testé Cyberpunk, il est incroyable. Pouce bleu. Attends ici, je vais Putain, je croyais que c'était une cinématique moi. Qui comme moi a pensé pouce bleu? Ah bah je me prends les trucs. Oh, ça va être un niveau de merde, ça. Oh oui, je le sens, hein. Ah ouais, ça pue le niveau de merde, hein. Oh oui. Surtout que je peux que esquiver. Ah non, je peux sauter. Ah non. Tout s'explique, en fait. Oh putain, mais je suis sur un bateau en ballon. Je savais pas quoi dire. Oui. Oui. Trop facile ce niveau de merde.
Oh, je vais me faire karma. Non, c'est bon, hein. C'est quoi le but, en fait? Parce que là, il se rapproche, hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Attention, Spyro. Il y a un très gros ovni. Attends ici, je vais attirer... Ok. Bah oui, bah attire-le en aval, aval. Une fois qu'on aura fini Spyro, ce qui est cool, c'est qu'on pourra commencer Rayman 3. Là, on va s'amuser aussi. Je le ferai pas à 100%, pas déconner non plus. Pas déconner non plus. Oh, d'ailleurs, il y a plein de gens qui ont reconnu les musiques de Rayman 3 dans ma dernière vidéo, je suis très content. Très content que les gens aient la ref, parce que ces musiques sont incroyables. Je trouvais qu'elles collaient bien à certaines situations, donc c'était cool. Oh, comment je le trace, ce mouton de Seymour. J'ai l'impression que le fait de sauter, ça me ralentit. Je devrais peut-être... C'est pas facile. T'as vu ça? Personne ne va plus vite qu'un guépard. T'étais sur un bateau. Nori. Oh, Nori. Comme dans Le Seigneur des Anneaux. Je veux quitter ton niveau de merde. Ok. La dernière vidéo est superbe, elle m'a donné envie de finir le 2. Merci, c'est gentil. Ça me fait plaisir. Pourquoi le bateau colle pas au miel? J'avoue que c'est bizarre. Trop bizarre ce jeu de mort. Eh bien, nous avons fini le lac du soir à 100%. Le jardin de midi à 100%. L'eau printanière à 100%. Nous retournons à la montagne de minuit. Montagne de minuit. On va même retourner au tombeau hanté. À Banks.